Calcul de somme, on est parti, donc là on se retrouve avec la somme de k allant de 1 à n-1 des sinus de k fois 2 pi sur n. Donc exercice très intéressant, on est parti. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de voir que quand k est égal à 0, et eh bien notre sinus ici il vaut 0. Donc on peut très bien indexer à partir de 0 vu que bah, le premier terme est nul. Donc ça va être égal à la somme de k allant de 0 à n-1 des sinus de k de pi sur n. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va se faire Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on voit le sinus comme la partie imaginaire d'une exponentielle. Parce que ça, c'est une formule de trigonométrie euh, dans le, le, dans, bah, avec les complexes. Quand on a. Euh, eh bien, on peut écrire exponentielle de iθ comme égal à cos de plus i sin de θ. Donc en fait, ici. Le sinus euh, de quelque chose, enfin, quand on a le sinus, et eh bien on peut très bien dire que c'est la partie imaginaire de l'exponentielle de iθ. Ici, l'imaginaire de l'exponentielle de iθ. Et eh bien on regarde qu'est-ce qui est imaginaire là-dedans, et vu qu'il y a une multiplication par i, eh bien, ça va être eh bien le sinus de θ. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit les choses en passant dans le champ des imaginaires. On est parti Donc ce truc-là va être égal à la somme de k allant de 0 à n-1 de la partie imaginaire et eh bien d'exponentielle de l'angle qu'on a ici donc i k de pi sur n voilà maintenant les choses qu'il faut voir eh bien c'est que euh, une somme de parties imaginaires et eh bien ça va être la partie imaginaire de la somme donc ça ça va être la partie imaginaire de notre grosse somme donc k allant de 0 à n 1 d'exponentielle i k de pi sur n voilà donc euh, la somme il y la partie imaginaire ou la partie réelle, on peut inverser sans souci. Donc maintenant qu'on est là, ce que je vous propose, et eh bien c'est qu'on voit la chose comme eh bien, une somme géométrique. Parce que ici, en fait, on peut réécrire les choses comme, eh bien, ici, vu qu'on est dans l'exponentiel, c'est être i de pi sur n, le tout à la puissance k. Voilà. Donc là, on va bien se retrouver avec une somme géométrique. Donc, ça va être égal à la partie imaginaire, et eh bien. Donc on rappelle la formule de la somme géométrique, c'est la somme de, par exemple, k allant de 0 à eh bien, n, de, des q à la puissance k, et eh bien ce truc-là, ça va faire du 1 moins q à la puissance, euh, bah, le nombre de termes qu'il y a, donc ici on a n plus 1, vu que le 0, il faut le compter aussi, donc n plus 1 sur eh bien, 1 moins q, et on peut aussi euh, écrire que c'est q à la puissance n plus 1 moins 1, sur q à la puissance moins 1, on multiplie en haut et en bas, par moins 1, et on obtient eh bien deux formules qui sont exactement les mêmes. Donc, on va appliquer, euh, on va poser que q ici c'est exponentielle de i de pi sur n, et donc on va se retrouver, pourquoi pas eh bien avec la première formule, donc la deuxième, euh, hop, on l'efface, on va utiliser la première formule, donc ça va être égal à 1 moins exponentiel ui de pi sur n fois, enfin exposant, et eh bien ici il y a. Entre n-1 et 0, il y a n termes. Il y a n-1 termes plus le 0, donc n, sur 1 moins exponentielle de i de pi sur n. Voilà. Tac. Et donc, on va se retrouver avec la partie imaginaire. Eh bien, le n va être distribué eh bien, euh, sur l'exponentielle, donc 1 moins exponentielle de i de pi qui va nous rester, parce que le n va se simplifier avec ce n-là, sur 1 moins exponentielle de i de pi sur n. Voilà. Et donc, bah exponentielle de i de pi, eh bien, euh, ça, c'est égal à 1. Quand on se met dans le champ trigo, exponentielle de i de pi, eh bien, ce truc-là est égal à 1. Donc, on a la partie imaginaire de eh bien, 1 moins 1 sur 1 moins exponentielle de i de pi sur n. Voilà. Et donc, on va se retrouver avec la partie imaginaire et eh bien de 0, et la partie imaginaire de 0, et eh bien c'est 0, parce que 0, quand on l'écrit sous forme complexe, on peut très bien dire que c'est 0 plus i fois 0, donc la somme qu'on cherche, en fait, sa valeur, et eh bien c'est égal à 0, voilà. Donc euh, plein de petits passages astucieux, mais ce genre d'exercice, et eh bien ça pourrait très bien tomber en interro, et puis c'est... C'est pas si compliqué que ça quand on essaye de le refaire. Voilà, donc ce genre d'exercice, je vous conseille de savoir les refaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et on se dit à très très vite pour deux prochaines vidéos. Salut tout le monde